Salut, c'est Louis. Salut, c'est Elsa et aujourd'hui on se retrouve à Louvain-la-Neuve. À la ferme du Biérot. Pour le concert de Vassilina Serafimova et Chloé. Dans le cadre du festival Musique 3 du Brabant Wallon. Bonjour, merci beaucoup pour ce concert, c'était vraiment super super chouette. Comment avez-vous composé ce projet et comment le travaillez-vous ? En fait, on s'est rencontrés autour de la musique de Steve Reich puisqu'on nous a proposé de collaborer en travaillant sur la thématique de Steve Reich. Et quand on ne se connaissait pas, donc on a choisi Music for 18 Musicians. Bon, on est deux, il fallait 18 Musicians, donc forcément il y a une grosse part d'improvisation. Le live, ce premier live que nous avons fait dure 20 minutes, donc on a vraiment à la fois récupéré quelques patterns. On s'est inspiré de la répétition et ça crée vraiment le pont entre la musique électronique et la musique plus contemporaine, classique. On pourrait dire que du coup dans le travail du live, ça s'articule en trois temps, on va dire. Il y a l'improvisation d'un côté, le live en concert, ce que vous avez vu ce soir, et après il y a le travail en studio comme une troisième étape. Donc en fait, on travaille vraiment de ces trois manières et ça s'influence beaucoup. L'improvisation influence beaucoup le live, donc comme on joue en concert, il y a toujours la part de l'improvisation. Parfois c'est là le départ, parfois en fait on se sert de l'improvisation pour donner plus de spontanéité. Et le travail en studio, ça nous aide à structurer la composition et donc ça nous influence aussi sur le concert. Donc voilà, c'est des choses qui se mixent entre elles et voilà, qui se colorisent les uns les autres. Pour Vassilina, c'était travailler sur Steve Reich, mais en le confrontant avec quelqu'un qui est dans la musique électronique. C'est notre langage commun sur lequel on s'est retrouvés. Et puis à partir de là, après, il y a nos personnalités qui font qu'on va s'exprimer et on va essayer de faire des choses et trouver des terrains d'entente. On se demandait à quel type de public vous consacrez vos concerts et quelle est leur réaction par rapport à ce programme par exemple? Nous-mêmes en fait on sait pas vraiment, on se dit pas on va se dédier à tel ou tel public. En fait, on nous a proposé ce projet, il s'avère que ce projet on le développe et nous en tout cas c'est un vrai plaisir et c'est enrichissant et c'est génial, c'est une vraie aventure. Moi je fais ce que j'ai envie de faire et après ça trouve ou pas un destinataire, mais je ne pose pas du tout le problème parce qu'en fait je pose le problème, peut-être la question, peut-être que je ne ferai jamais rien. En fait j'ai envie juste d'exprimer ce que j'ai dans mon cœur. Et ça passe par mes mains et par mon instrument. En fait, ça part juste de mon besoin de s'exprimer. Voilà. Donc, je ne me pose pas la question vraiment de est-ce que telle ou telle personne va l'aimer. Je me dis qu'en fait, à partir du moment qu'on est sincère dans ce qu'on fait, ça atteint la destination qui est donc la personne qui est en face.